J'ai été vraiment heureux de prendre part à cette investiture du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son second mandat. Une cérémonie qui a été vraiment égale, n'est-ce pas, au chef lui-même. Une cérémonie solennelle, mais qui a mis en exergue tout ce dont il a parlé et par rapport à notre devise. Démocratie, liberté et bonne gouvernance. Bonne gouvernance dans le domaine, par exemple, de la gestion du temps. Bonne gouvernance dans la gestion même des mesures liées, n'est-ce pas, au coronavirus. Bonne gouvernance dans le cadre du respect, n'est-ce pas, des institutions de la République. Je dis, le Bénin ne s'est pas trompé de chef. Vous avez vu, après avoir balisé le terrain, pour un réel développement de notre pays, il a dit, permettez-moi de continuer. Et les Béninois lui ont fait confiance. Il a dit que ce mandat est hautement social. Ça veut dire qu'il a semé. Il nous revient de récolter. Ça veut dire socialement, vous allez voir la richesse de ce qu'il a dû semer. Et nous qui sommes ces répondants au niveau du département, nous avons toujours l'habitude de dire que le second mandat, c'est pour effectivement amorcer, n'est-ce pas, le mieux-être de toute la population. Je crois que c'est ce qui va se passer. Et nul doute, au regard déjà de tout ce que vous avez commencé par voir sur le terrain, au niveau des différents équipements marchands, par exemple, qui sont mis à disposition des communes, au niveau, n'est-ce pas, de l'asphaltage, au niveau, n'est-ce pas, du pédimage. Vous allez voir bientôt, pour ce qui me concerne, Béroubouë, Malanville, cette route sera reprise, bien bitumée, hein, avec un décor impressionnant. Tout ça là, parce que comme on le dit, sans la route, point de développement. Je crois que l'espoir est permis. Nous vivons déjà cet espoir. Et le chef de l'État l'a martelé et nous pensons que ça va être comme ça. L'accompagnement n'est pas marchandable. Toute la population de la Libourie, n'est-ce pas, peut être accompagnée. Le chef de l'État, dans la mise en œuvre de ces actions-là, les actions, les réformes ont été déjà engagées. Il n'y a que des actions. Des actions de développement, des actions sociales.